d'être ensemble avec vous. Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir accepté cette invitation pour le quatrième webinaire organisé par la table de travail sur les réalités autochtones de l'Université du Québec et en collaboration cette fois-ci avec effectivement le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique, le GRIP. Il s'agit d'une activité spéciale, n'est-ce pas? On n'est pas dans nos formules traditionnelles de webinaire, mais on va faire plutôt un lancement d'un travail qui a été mené de longue haleine avec plusieurs personnes. Et donc, vous aurez l'occasion de découvrir aujourd'hui, c'est le choix qu'on a fait, vous permettre de découvrir la démarche derrière ce module. Mais d'abord, rapidement, me présenter, Marie-Josée Fortin. Je suis directrice des affaires institutionnelles au bureau de la présidence à l'Université du Québec. Donc, où se trouve toute la question, les questions, je devrais dire plutôt, autochtones, qui sont très importantes, n'est-ce pas, pour notre organisation et comme l'ensemble des 10 établissements du réseau de l'Université du Québec. Donc, nous travaillons quelques consignes peut-être avant de vous déployer un petit peu le déroulement du webinaire, consignes pratiques. Alors, donc, votre caméra, les micros sont fermés comme à l'habitude quand il y a beaucoup de monde présent, mais vous pouvez interagir notamment dans la zone de clavardage. Et puis, on vous invite même à poser des questions si vous le souhaitez dans le module questions et réponses. Il y aura potentiellement du temps pour y répondre. Si ce n'est pas le cas, on vous donnera des réponses par la suite. Et enfin, il faut noter que la séance est enregistrée, diffusée même sur Facebook Live. Donc, nous sommes ouverts effectivement et accessibles à un grand nombre au-delà des personnes aujourd'hui qui sont avec nous. Donc, je souhaitais vous dire aussi, vous rappeler un petit peu, là, peut-être mettre en contexte ce webinaire. La table de travail sur les réalités autochtones, elle existe depuis déjà 2018 et elle relève directement de la commission de planification de l'Université du Québec. Hein, la commission de planification, c'est l'ensemble, le comité qui réunit les 10 chefs d'établissement des 10 établissements de l'Université du Québec, le président et la haute direction de l'Université du Québec. Donc, c'est vraiment une instance importante où se discutent des dossiers de fond, dont ceux touchant les premiers peuples. Alors, le mandat de la table, effectivement, c'est d'accompagner et d'outiller le plus possible les établissements dans le travail que chacun fait à son rythme, à partir de sa réalité, pour faire des pas de plus sur le chemin de la réconciliation. Donc, la table rassemble des professeurs, des experts de chacun des établissements et se réunit à peu près 4 à 5 fois par année. Donc, à ce jour, et je les salue d'ailleurs ceux qui sont présents avec nous, on aura avec nous aussi déjà Janet Mark, qui est membre aussi de la TETRA, qui est avec nous tout à l'heure. Donc, 3 webinaires que nous avons déjà menés. Je vous les cite rapidement pour vous donner l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de les visionner. Ils sont disponibles sur la page YouTube de l'Université du Québec. Donc, l'idée étant de réunir dans ces 3 webinaires des experts, des spécialistes sur des questions qui apportent des éclairages sur des phénomènes qui touchent nos institutions, qui sont complexes. Donc, un premier webinaire qui portait sur la distinction entre ce qu'on appelle l'inclusion, tout le chantier de l'EDI, et les questions des premiers peuples, donc la reconnaissance des premiers peuples, parce qu'il y a de particulier autour de ça. Ensuite, on a eu un deuxième webinaire sur la reconnaissance territoriale, avec l'expérience notamment de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, excusez-moi. Et enfin, un troisième webinaire qui portait sur les principes de la recherche en contexte autochtone. Donc, voyez-vous, on est sur des questions de fond, des questions importantes. Aujourd'hui, on a une formule particulière, je le disais tout à l'heure, parce qu'on procède en fait au lancement d'un travail qui est mené depuis même plus d'un an et qui a impliqué une diversité de personnes, un nombre assez incroyable de personnes. Evelyne Rondeau, qui est ma collègue ici, va pouvoir vous les présenter brièvement tout à l'heure, le nom, toutes ces personnes qui ont été impliquées. Mais déjà, ce qu'on souhaite faire, c'est un peu vous inviter à découvrir l'envers du décor dans ce type de démarche. C'est-à-dire que pour arriver à aujourd'hui, il a fallu mettre en place une série de conditions pour être capable d'avoir et de développer un tel outil. J'en rappellerai 3 rapidement. D'abord, la première condition, je pense, c'est l'engagement. L'engagement des personnes qui ont de l'expertise de différentes natures sur les contenus, mais aussi même, on va le voir tout à l'heure, tout ce qui touche la question de la pédagogie universitaire, notamment sur la technopédagogie. Et donc, comment ces personnes-là, ces partenaires aussi qu'on va entendre tout à l'heure, ont contribué en donnant du temps et le meilleur en partageant leurs connaissances généreusement et leurs expériences.
Donc, sans eux, effectivement, les contenus que vous allez découvrir dans le module ne seraient pas aussi riches. Une deuxième condition, je dirais que c'est la coordination de l'ensemble de ces personnes-là. Donc, il y a un travail à faire, effectivement, pour mettre en réseau, mettre à l'intérieur d'une démarche, s'assurer que les bonnes choses arrivent au bon moment. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un bel exemple du travail que nous faisons, notamment ici à l'Université du Québec, avec l'ensemble des établissements. Donc, c'est le cœur de notre mission, je pense, ce travail de collaboration à établir avec l'ensemble des acteurs pertinents. Et je salue ici Évelyne Rondeau, qui est effectivement la personne responsable pour avoir coordonné l'ensemble de la réalisation de ce module. Enfin, une troisième condition, et non la moindre, il faut qu'il y ait du personnel dédié pour animer et organiser ces types de démarches-là. Donc, on peut compter effectivement dans nos institutions universitaires de plus en plus sur des personnes qui sont de compétences et qui sont même souvent autochtones pour nous accompagner, pour travailler sur ces dossiers-là de fond. Et cela est permis aussi grâce à des règles budgétaires du ministère, dont je me permets de souligner qu'on est très... en fait, c'est essentiel, cette reconnaissance-là du ministère pour nous faire en sorte que nous puissions avoir cette compétence-là présente dans nos murs en continu. Donc, voilà. Ça, c'était pour les conditions. Maintenant, juste pour rappeler aussi ce que représente cet outil qu'on ajoute à notre boîte à outils. En fait, elle s'inscrit, ce module s'inscrit directement dans les engagements que nos chefs d'établissement ont adoptés en 2021. Donc, ça fait presque un mois jour pour jour, à la fin septembre 2021, lorsque nous étions au Forum national sur la réconciliation, qui avait pour titre, je vous rappelle, « S'engager dans les pas des étudiants et étudiantes des premiers peuples ». Donc, à la suite, à la fin du forum, les chefs d'établissement du réseau de l'Université du Québec avaient adopté un engagement et qui s'articulait autour de quatre leviers. Donc, aujourd'hui, l'outil s'ajoute en fait directement, s'ajoute sur le troisième levier qui touche en fait le soutien des directions et des équipes professorales qui souhaitent intégrer des contenus et des objectifs d'apprentissage relatifs aux enjeux et aux réalités des premiers peuples dans des cours et des programmes. Donc, l'outil vise à faire un pas de plus. Il est adopté sur une base volontaire, effectivement, pour accompagner les personnes enseignantes et toutes les personnes qui les accompagnent pour ce volet important de notre mission qui touche l'enseignement. Donc, maintenant, comment va se dérouler notre heure devant nous? En fait, je vais donner la parole carrément à nos partenaires qui ont contribué généreusement à l'élaboration de cet outil. Alors, nous allons d'abord entendre quatre partenaires, trois personnes des organisations autochtones. Donc, Tania Sirois, qui est directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Marjolaine Tierniche, directrice générale de l'Institut Chacapeche. Kaoutar Lakim, qui est conseillère en développement d'affaires au CEPN, donc le Conseil en éducation des Premières Nations. Et enfin, Alain Huot, qui est président du groupe d'intervention et d'innovation pédagogique du réseau de l'Université du Québec, le GRIP. Donc, ils vont nous expliquer chacun à leur tour qu'est-ce que ça signifie quelle est l'importance, en fait, de se doter de ce type d'outils. Donc, ils vont nous exposer de leur point de vue à partir, effectivement, de leur organisation, comment on peut contribuer avec ces outils-là. Enfin, dans un deuxième temps, on va vous exposer le processus de comment s'est mis en place tout ce module, comment on est arrivé à le co-construire avec l'ensemble des personnes impliquées, avec l'ensemble des partenaires que je viens de nommer. Et donc, à tour de rôle, ce sera Évelyne Rondeau, qui est chargée de projet autochtone et qui a assumé la coordination du module, qui va prendre la parole. Ensuite, on va entendre Hélène Meunier, qui est coordonnatrice du projet Enseigner à l'université. Et enfin, Janet Marc, qui est conseillère stratégique à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'UQAP, membre de la DETRA, je vous disais tout à l'heure, et qui vont venir effectivement nous parler de leur implication dans ce processus-là et comment effectivement nous sommes arrivés à pouvoir enfin lancer ce module. Et nous terminerons en fait la présentation, cette séance, sur quelques extraits que nous allons vous diffuser du module. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Tania. Ah, mais oui, non, je dois présenter Tania quand même. Tania Sirois, que nous connaissons bien. Bonjour, Tania.
Ravie de t'avoir avec nous. Merci de prendre le temps. Tania, qui est une femme effectivement très occupée. Donc, elle dirige en fait le centre, le regroupement des centres d'amitié autochtone du Québec. Plusieurs d'entre vous la connaissent déjà. Elle siège d'ailleurs à l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, donc depuis quand même plus de 5 ans. Donc, fière partenaire, elle contribue avec nous effectivement à nous faire avancer. Donc, sous son leadership, effectivement, le regroupement a réalisé d'importantes avancées en matière de reconnaissance des réalités autochtones et aussi de création de politiques publiques pertinentes. Donc, elle possède plus d'une 15aine d'années d'expérience en gestion politique publique et gouvernance. Elle est membre de la nation Innu de Pessamit. Et enfin, pour ajouter, hein, Tania, quand même, pour qu'on te connaisse encore mieux, baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval en 2004, maîtrise en administration publique 2018, et de cette fois-ci de l'ENAP, donc d'un établissement du réseau de l'Université du Québec. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole, Tania. Merci à l'avance et même surtout de ta contribution à ce module. Bien, coué à tous. Merci, Marie-Josée. Marie-Josée qui a été une grande alliée sur la question autochtone, donc avec laquelle je travaille depuis plusieurs années. Donc, merci de me permettre de participer à ce lancement-là, de ce webinaire-là. Je ne serai pas trop longue. Mais je voulais quand même là, vous expliquer l'importance pour des organisations, pour les peuples, les premiers peuples, de justement avoir une place dans l'enseignement universitaire, que l'enseignement universitaire prenne compte des différentes réalités, spécificités des premiers peuples. Et je dois dire que le monde universitaire a été vraiment un milieu où qu'on a été vraiment innovant. On n'a pas entendu des commissions d'enquête ou quoi que ce soit. Vraiment, le milieu universitaire, là, depuis plusieurs années déjà, font des petits pas pour justement, là, bon, tout n'est pas parfait, mais au moins, il y a eu vraiment là, des avancées quand même qui ont été faites dans les dernières années, et d'autant plus depuis les 4-5 dernières années, où que le monde universitaire est très ouvert à travailler avec les Premières Nations et le peuple Inuit, et principalement le réseau des UQ, qui sont situés dans les différentes régions au Québec, donc près des communautés autochtones, entre autres. Donc, c'est vraiment là, je voulais le souligner, qu'aujourd'hui n'est pas le début de quelque chose, mais bien la continuité et la bonification d'efforts concertés qui sont déjà faits. J'en parlais, bon, on sait que le 30 septembre vient de passer, comment que la vision au niveau de l'éducation, comment c'est important et pourquoi qu'il faut faire du rattrapage par rapport à ça. On sait avec l'histoire des pensionnats indiens au Canada, l'éducation a été malheureusement là, pas un chemin glorieux. On a utilisé l'éducation pour justement assimiler les enfants autochtones partout au Québec. Donc, comment que l'éducation peut, X années plus tard, donc 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, être vraiment un levier et une clé pour justement réduire les écarts socio-économiques entre la population allochtone et autochtone. Donc, on sait la réalité des premiers peuples. On fait face à une réalité des jeunes personnes. Donc, la démographie au niveau des populations autochtones, elle est en croissance. Donc, les gens ont des enfants. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, comment justement on peut encourager, on peut dire aux premiers peuples qu'ils ont leur place dans l'enseignement et dans les sujets universitaires qui touchent leurs questions. Parce que souvent, on traitait de la question autochtone, mais on n'incluait pas les groupes concernés. Donc, je crois qu'en 2023, nous sommes vraiment ailleurs. Et ce webinaire en fait tout à fait est le résultat de ces travaux-là. Également, je crois que universités, organisations autochtones, communautés autochtones et toutes les collectivités, on vise vraiment un même objectif, c'est vraiment de favoriser l'accessibilité aux études postsecondaires, universitaires pour les populations autochtones, parce que l'éducation est vraiment la clé pour briser de nombreux cycles de vulnérabilité chez les populations des premiers peuples. Donc, je
je crois que si on garde tout cet objectif-là en tête et d'une manière commune, nous allons arriver à des changements significatifs dans les conditions de vie des premiers peuples. Également, ce que je voulais aussi mentionner, c'était toute cette approche-là, toute cette démarche-là, et Evelyne nous l'expliquera plus tard, mais vraiment, on sent comme partenaire autochtone qu'on est vraiment pris en considération. On fait vraiment de la vraie co-construction. On ne nous a pas juste consulté, on prend vraiment en compte nos points de vue et on voit l'engouement de vouloir en faire plus, vouloir faire mieux pour la question autochtone dans les universités, principalement les UQ. Donc, je voulais vraiment, vraiment remercier l'équipe qui a travaillé sur ce dossier-là parce que c'est vraiment grâce à la co-construction qu'on peut arriver à innover, qu'on peut arriver à répondre réellement aux besoins et aux réalités des premiers peuples. Et on doit le faire ensemble. On ne peut pas être nous-mêmes seuls dans ce cheminement-là. Et c'est là que les partenaires privilégiés, comme le réseau de l'UQ, vient justement là, nous aider à mieux avancer et contribuer et non faire à notre place, mais vraiment contribuer à l'avancée des premiers peuples. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps. Encore une fois, merci à l'équipe, merci au comité d'experts et à la table de travail sur les réalités autochtones. Et je salue également là, les autres organisations autochtones qui prendront la parole. Donc, merci beaucoup. Je te repasse la parole, Marie-Josée. Merci beaucoup, Tania, pour ces bons mots, puis nous rappeler aussi l'essence, l'importance du travail qui est fait, que finalement on fait des pas et on continuera d'en faire pour faire plus et mieux, comme tu le dis si bien, vraiment. Merci beaucoup, Tania. Maintenant, je donnerai la parole à Marjolaine Tierniche, que je vous présente d'abord avec plaisir, donc femme Innu. Elle a été nommée à la direction générale de l'Institut Tchakapèche en 2016. Elle occupe ce poste fièrement avec le grand désir de contribuer au développement des services et des projets pour le bénéfice de la nation Innu. Elle gère une équipe de 50 personnes, c'est quand même beaucoup de monde, bravo, qui partage avec elle la mission de la valorisation de la langue et de la culture Innu, de même que le soutien à la réussite identitaire et scolaire des élèves des écoles Innu. Dernier joue un rôle important, effectivement, auprès de différents organismes et comités en lien avec les nombreux dossiers culturel, éducatif, linguistique, auprès de différentes instances régionales. Donc, et Mme Tierniche est détentrice d'un baccalauréat en sciences de la gestion de l'UQAM et d'un MBA de HEC McGill. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, de prendre le temps, et on vous cède la parole là, pour vous dire effectivement qu'est-ce que cela représente pour vous, la part de ce module et de cette démarche. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce lancement. L'Institut Tchakapèche a contribué à titre d'expert à la conception du module d'auto-formation qui porte sur la place des Premières Nations dans l'enseignement et la pédagogie à l'université. Des travaux pour redéfinir le contenu de cours et les approches pédagogiques afin de tenir compte de nos enjeux, de nos réalités et de nos savoir-faire. Ça fait maintenant 45 ans que l'Institut Tchakapèche travaille à soutenir la réussite éducative de la jeunesse Innu, à promouvoir notre langue et à célébrer notre culture. Notre culture qui contribue à développer la fierté identitaire, le sentiment d'appartenance. Et depuis plus de 25 ans que l'Institut Tchakapèche sillonne le Québec avec son chapiteau sur les cours d'école et les institutions québécoises pour favoriser un rapprochement entre les Premières Nations et les Québécois. Et également pour amener les participants à faire preuve d'ouverture face aux différences culturelles. Le programme Rencontre québécois Premières Nations sur Chapitoine a été récipiendaire du prix Droit-Liberté en 2017, prix remis par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ce Chapitoine et l'équipe de Tchakapèche est actuellement sur le site de l'Université de Sherbrooke cette semaine. Vous pouvez aller visiter, voir la programmation sur le site web ou la nôtre. Et la semaine du 16 octobre, le programme sous le chapiteau sera à l'Université McGill. Nous travaillons donc depuis plus de 25 ans à la réconciliation pour améliorer nos relations et soutenir une meilleure cohabitation.
Après 25 ans, nous sommes très heureux des avancées de la communauté universitaire sur ces enjeux de reconnaissance. Notre partenariat avec la CDPDJ vise la publication de l'ouvrage Mitérialité, qui est en sa troisième édition imprimée et qui sera bientôt disponible sur une plateforme numérique. Donc, l'histoire de Tchagabesh, c'est l'histoire d'une grande idée, une histoire de travail intense et de collaboration. Alors oui, l'Institut Tchagabesh devait de participer à la conception de ce module pour faire progresser la réconciliation avec nous et entre nous. Et cela exige un engagement fort des organisations, des institutions, y compris les plus hautes instances. Oui, il importe de tenir compte de la compétence 15 dans les programmes d'enseignement, mais aussi dans tous les domaines visés par les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de la Commission Vient. Nous estimons que la connaissance des cultures autochtones ne peut pas et ne doit pas être reléguée à un entrefilé dans la formation des maîtres ou encore à un cours complémentaire. Elle doit se trouver au cœur de la formation initiale à l'enseignement et devenir un domaine de perfectionnement professionnel à part entière pour les enseignants en exercice. Nous, les Premières Nations, les Inuits, sommes répartis géographiquement dans différentes régions de la province et nous avons nos propres histoires et cultures uniques et distinctes. Nous sommes les peuples fondateurs qui ont contribué à la société d'aujourd'hui et nous occupons une place fondamentale. Nous contribuons à plusieurs instances et comités en représentation à la défense des intérêts communs, des intérêts de nos communautés, de notre nation. En terminant, je salue le travail des membres du comité qui ont permis aujourd'hui que nous puissions assister au lancement du module d'auto-formation Place au premier peuple dans l'enseignement universitaire et remercie l'intérêt de la communauté universitaire pour valoriser notre identité. Nous en sommes très reconnaissants. Jusqu'à maintenant, Kisnoy Dehik, Jimaman Jehuayik. Merci. Merci beaucoup, Madame Cerniche, pour ces bons mots, puis nous rappeler effectivement que le Québec est vaste et qu'il faut se déplacer sur la longue durée pour se renouer et construire des liens. Donc, merci à vous pour ces bons mots et tout le travail réalisé depuis 25 ans, comme vous le soulignez. Maintenant, une autre organisation autochtone importante pour nous et qui a contribué effectivement sur ce dossier, le Conseil en éducation des Premières Nations. Et à cet égard, nous avons avec nous Kwatar La Kim, qui est conseillère en développement d'affaires depuis février dernier, donc c'est récent. Ravie d'être, merci de nous être avec nous. Donc, Kwatar La Kim travaille sur la planification du projet universitaire par et pour les premiers peuples, la Maison des Savoirs, qu'on connut auparavant sous le nom de Pôle universitaire autochtone. Madame La Kim est membre des premiers peuples d'Afrique du Nord, les Amazighs. Elle est détentrice d'un diplôme universitaire en gestion des entreprises et des organisations, d'un DES en droit des affaires et d'une maîtrise en recherche de l'Université Laval, en droit constitutionnel et administratif et en droit des premiers peuples. Elle a notamment travaillé dans le milieu universitaire, notamment dans le développement de cours de langue atikamekw et innu aimun et au développement de l'Institut de formation sur les réalités autochtones. Donc, un très beau parcours. Merci beaucoup d'être avec nous et sans plus tarder, je vous laisse la parole. Oui, Koué, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'abord de nous inviter à ce webinaire, mais également je salue l'initiative l'initiative qui a été faite. Je ne vais pas reprendre les paroles de Tania Sirois et Marjolaine Tchernich. Je vais acquiescer leurs paroles quant à l'essence du travail réalisé et son importance. Moi, je vais surtout parler de la contribution du CEPN et de l'intérêt pour nous de participer à cette initiative. Alors, le CEPN a contribué au processus de conception du module d'auto-formation par deux voies. Le premier, c'est qu'on a travaillé sur le comité d'experts des contenus. Et la deuxième, c'est qu'on a réalisé une capsule d'introduction au module également. Il était question pour nous de partager notre vision et expertise, notamment sur la compétence 15, qui est un fruit d'un travail concerté entre le CEPN, l'Institut Tchagabesh et le Centre de développement de la formation et de la main-d'œuvre Huron-Wendat. Alors, pour ce qui est du Conseil en éducation des Premières Nations, il représente 22 communautés qui sont issues de 8 nations dans le dossier de l'éducation, du préscolaire à l'universitaire, par et pour les Premières Nations. On a travaillé
On a travaillé sur le module parce que nous représentons nos communautés membres. Il était important pour nous de mettre à profit les éléments que nous avons développés. Il est indéniable, en fait, aujourd'hui, que le milieu universitaire, en tant qu'arène de production du savoir et de modélisation de la société, qu'il a une grande responsabilité dans la valorisation des perspectives des premiers peuples et dans la formation à leur réalité et enjeux. Le corps professoral, en tant que producteur et transmetteur de connaissances, et l'administration également universitaire, doivent être outillés et formés pour comprendre les subtilités, les reconnaître et les inclure dans leurs cours, sans quoi il serait difficile de créer des liens durables de compréhension et de respect. Et nous, aujourd'hui, on prend cela sous notre joug. Puis, d'où vient le projet également de la Maison des Savoirs? Nous avons reçu le mandat des chefs aujourd'hui d'opérer sous deux volets. Le premier, c'est de créer une université par et pour les premiers peuples en coopération avec toutes les universités, notamment les universités du réseau UQ, mais aussi de travailler de concert avec toutes ces universités pour perfectionner leurs offres, leur système de reconnaissance des acquis et des savoirs, en gardant en tête que les besoins et les aspirations des étudiants, nos communautés, sont au centre du mandat, ce qui est très, très important pour nous. Donc, d'où la Maison des Savoirs, qui est un travail qui est en planification actuellement et qui va bientôt être dévoilé à tous. Donc, voilà pour ce que j'avais à dire aujourd'hui quant à la contribution du CEPN. Puis, je vous remercie pour m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Madame Lakim. Alors, nous allons effectivement certainement suivre les travaux du CEPN avec intérêt. Maintenant, je passerai la parole à M. Alain Huot, qui est professeur en administration de l'éducation à l'UQTR, qui était aussi un grand contributeur pour ce module d'auto-formation. Alors, M. Huot intervient en enseignement supérieur depuis plus de 20 ans. Ses intérêts portent notamment sur l'amélioration continue, l'innovation pédagogique, les processus d'accompagnement, les technologies et le numérique, l'efficacité et l'efficience tant stratégique qu'opérationnelle, de même que la transdisciplinarité en enseignement, gestion, santé. Donc, une belle feuille de route, certainement, beaucoup d'expertise pour nous. Donc, la place du bien-être dans les rapports humains organisationnels, il le souligne, est au cœur de ses actions. Donc, on comprend le lien, je pense, et l'intérêt pour s'impliquer dans ce travail. Et il est président, c'est à ce titre d'ailleurs qu'il est avec nous, il est président du groupe d'intervention et d'innovation pédagogique, le GRIP, du réseau de l'Université du Québec. Alors, à vous la parole, M. Huot. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour, Koué. Comme Marie-Josée l'a nommé, j'ai plusieurs intérêts, tous aussi divergents les uns que les autres. Je vais aujourd'hui faire une présentation où vous parler en trois parties. Le premier morceau, c'est je vais parler de ce qu'est le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique. Le deuxième morceau sera en lien avec les modules enseignés à l'université, donc faire une très brève présentation de ce que sont les modules. On a des collègues un petit peu plus tard qui vont vous expliquer la conception de ces modules-là, puis vous en faire une présentation du plus récent module. Et le troisième morceau de ma présentation va être à la fois une importance pour le GRIP de contribuer au module sur la place des premiers peuples, mais aussi de partager un peu mon expérience de professeur qui a des expertises et des expériences variées, mais qui, à la base, est peu formé sur la manière dont on peut interagir efficacement ou adéquatement avec nos étudiants, avec nos collègues qui sont issus des premiers peuples. Donc, dans le premier morceau sur le groupe d'intervention et d'innovation pédagogique, c'est vraiment une communauté de pratique qui est vouée à la pédagogie universitaire dans le réseau de l'Université du Québec. C'est une communauté de pratique qui est un lieu de réflexion, de partage, d'expérience et de ressources.
Nos orientations de partage et d'échange s'articulent surtout autour de deux pôles principaux. Donc, le premier, celui de l'intervention, avec une offre de soutien aux enseignants, à l'organisation de formation, puis à la valorisation de l'enseignement. Le deuxième pôle, celui de l'innovation pédagogique, travaille sur la mise en œuvre, l'expérimentation ou même l'émergence de nouvelles pratiques pédagogiques dans le but ultime de contribuer à augmenter la qualité de la formation dans les universités du réseau de l'Université du Québec. Le GRIP y est constitué de différents représentants qui proviennent de l'ensemble des établissements du réseau qui se sont engagés à soutenir puis à promouvoir la pédagogie universitaire. Les membres ont deux titres d'emploi la plupart du temps, donc on a un certain nombre de membres qui sont conseillers, conseillères pédagogiques et autres titres connexes qui varient un peu selon les établissements, et de professeurs enseignants. Les principaux mandats du GRIP sont vraiment de favoriser l'échange puis la mise en commun des expériences et des ressources en pédagogie universitaire, vraiment dans une optique de partage et d'entraide entre les membres. Mais on a aussi un mandat de diffusion de l'information concernant les meilleures pratiques en matière de pédagogie universitaire, que ce soit au niveau local, national ou international, ainsi que des innovations pédagogiques qui sont réalisées dans le réseau. Le troisième et dernier mandat du GRIP est celui de stimuler l'innovation relative à l'enseignement et à l'apprentissage au sein des établissements du réseau de l'Université du Québec. Donc, c'est vraiment dans le cadre de ces mandats-là, notamment dans le mandat de diffusion d'informations, qu'on a travaillé à la construction de modules d'auto-formation pour le personnel enseignant universitaire et plus largement en enseignement supérieur. Donc, on en discutait en équipe avant le début du webinaire. L'idée des modules a pratiquement une dizaine d'années. Donc, on a commencé en 2014 à réfléchir à ces modules-là. Ça a pris quelques années avant de les élaborer puis de les mettre en ligne. Donc, maintenant, ils sont en ligne. Ces modules-là, c'est une auto-formation en ligne qui vise à outiller les professeurs, maîtres d'enseignement, maîtres de langue, chargés de cours et d'enseignement, tuteurs, formateurs universitaires, tant actuels que futurs, pour mieux comprendre les fondements de la pédagogie de l'enseignement supérieur. Les modules sont élaborés selon une formule accessible et souple par une équipe de travail qui est un sous-comité du GRIP. Puis, le dispositif d'auto-formation est divisé en différents modules gratuits qui se veulent être des outils complémentaires aux activités de formation et d'accompagnement qui sont déjà en place dans les différents établissements universitaires. Donc, le projet enseigné à l'université a obtenu une subvention du Fonds de développement académique du réseau, donc le FADAR. Actuellement, on a différents modules qui sont rendus disponibles sur la plateforme enseignée à l'université. Le premier module porte sur les concepts et les compétences de base en pédagogie. Le deuxième porte sur l'encadrement des étudiants. On a un module aussi sur l'évaluation des apprentissages, un sur la scénarisation pédagogique, un autre sur l'éducation inclusive. Un avant-dernier sur l'accompagnement des étudiants et des étudiantes au cycle supérieur et le tout dernier module qui est maintenant disponible, celui sur la place au premier peuple dans l'enseignement universitaire. Donc, on peut voir par l'ensemble de ces modules-là qu'on touche différents aspects qui sont liés à la pédagogie universitaire avec des notions d'inclusivité, de partage, qui sont et d'accompagnement qui sont très présents. Pour le troisième morceau, le troisième bloc, l'importance pour le GRIP, je vous dirais que l'idée, c'est vraiment d'outiller les enseignants, je veux dire comme moi, qui sont peu familiers avec les différentes perspectives autochtones. Puis, il y a une certaine responsabilité que l'on se sent comme groupe et comme universitaire aussi dans la prise en compte de ces différentes perspectives-là. J'ai une collègue un petit peu plus tôt qui parlait de créer des liens. Ça peut être...
Ça peut être difficile, ça peut être épeurant au début de créer ces liens-là de peur de commettre des faux pas. Donc, on est vraiment content de pouvoir, avec les modules, pouvoir contribuer justement à outiller nos collègues pour la prise en compte des perspectives des premiers peuples dans le travail que l'on fait avec notre intervention et notre innovation pédagogique. Je retournerai la parole à Marie-Josée. Merci beaucoup, M. Huot. Merci d'avoir contribué aussi avec votre expertise propre. Et c'est justement cette idée de la rencontre des expertises qui nous permet d'aller plus loin ensemble, de faire des pas. Merci à vous et toute l'équipe. Maintenant, on va rentrer justement dans ce qu'on appelait notre deuxième bloc, nous aussi, pour le webinaire, c'est-à-dire celui où on va voir de plus près toute la démarche qui a été menée. On l'a évoqué tout à l'heure, la co-construction. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'action? Qu'est-ce que ça exige? Donc, on s'est dit que c'était intéressant de le voir de l'intérieur, notamment pour vous montrer que c'est un savoir-faire aussi qui se construit. Et notamment, à l'UQ ici, beaucoup de personnes en sont les animateurs et les responsables. Donc, et qui de mieux pour nous en parler? D'abord, Évelyne Rondeau, qui est collègue avec moi depuis déjà 4 ans sur les questions Premier Peuple, qui a une expertise dans le domaine pour y avoir contribué et travaillé pendant plusieurs années. Elle est à l'UQ depuis 10 ans, donc elle connaît très bien effectivement quelle est la mission de l'UQ de soutenir nos établissements, tout en étant une posture quand même de proposition, de leadership. Donc, un travail toujours de soutenir nos en lien avec les besoins qui sont émergents et connus. Donc, merci Évelyne à l'avance de nous parler de la démarche de co-construction et puis on t'écoute. Plaisir. Merci Tania, Marjolaine, Kavita, Alain, sans qui tout ce processus-là de conception du module n'aurait pas été possible. Donc, moi, je vais vous présenter assez rapidement, en fait, le processus de conception du module qui a débuté, en fait, depuis octobre 2021. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on avait cette idée-là, ce souhait-là de mettre en place cette initiative, ce module, de le rendre accessible. Et puis, depuis les dernières années, on s'apercevait aussi qu'il y avait de plus en plus d'enseignants du milieu universitaire qui étaient sensibles et qui voulaient faire des pas, des chemins, qui ne savaient pas trop comment s'y prendre aussi, quel pas faire pour commencer, peur de faire des erreurs. Et puis, qui se référaient parfois à certaines personnes dans les établissements qui ne pouvaient pas nécessairement connaître. On s'entend que comme conseiller pédagogique dans l'environnement québécois, on ne peut pas connaître tous les enjeux qui concernent la nation, les politiques, donc c'est la même chose en fait pour les personnes autochtones qui ne sont pas nécessairement au fait de l'ensemble des dossiers, des enjeux, des perspectives. Donc, cet outil-là vise justement à responsabiliser le personnel enseignant quant à sa posture d'apprenant, des perspectives autochtones en lien avec sa propre discipline, mais aussi d'y aller de façon réflexive, c'est une amorce. Donc, on ne s'attend pas à la fin du module à ce que vous soyez nécessairement des experts, mais que vous ayez des clés, certaines clés pour aller vous auto-former, réfléchir à votre posture comme enseignant, comme enseignante, pour pouvoir faire des pas par la suite. Donc, on a commencé en 2021 avec l'appui de la TETRA, la table de travail sur les réalités autochtones, et avec l'appui du GRIP, le groupe en intervention et innovation pédagogique, à mettre sur pied, en fait, ce projet-là. Et puis, on a créé aussi une équipe pédagogique qui était constituée, en fait, d'Hélène Meunier, qui va parler après moi, et aussi Marie-Ève Gagnon-Paré, qui est dans l'équipe ici au CHSL à l'UQ, qui a prêté main forte, dans le fond, à l'ensemble là, du travail de coordination. Ensuite, à partir de janvier, on a composé notre comité des experts et expertes des contenus. Donc, c'est bien important pour nous d'avoir différents acteurs des organisations autochtones en éducation qui soient autour de la table pour réfléchir avec nous au contenu, au déroulement du module. Ensuite, merci d'ailleurs à tous ces partenaires d'avoir accepté de contribuer parce que, comme je le disais précédemment, sans vous, ça faisait peu de sens.
Ensuite, à partir de mars, en fait, on a découvert les super travaux là, de l'équipe des programmes d'éducation de l'Université Laval, l'Université de Trois-Rivières, l'Université de Sherbrooke, le guide repères et pistes d'action qui, en fait, outillait les programmes d'éducation sur comment faire une place aux perspectives des premiers peuples en enseignement. Et puis, on s'est vraiment appuyé, dans le fond, sur leurs travaux pour pouvoir donner une phase 2, je vous dirais, pour que plutôt que ça soit adressé aux équipes des programmes d'enseignement, mais que ça s'adresse, en fait, à l'ensemble des programmes universitaires. Donc, merci à cette équipe-là aussi d'avoir accepté de nous faire progresser en s'appuyant sur ce que vous aviez déjà réalisé. Ensuite, à partir d'avril, d'avril à décembre, en fait, on a fait une rencontre avec notre comité des experts des contenus mensuellement. Là, c'est vraiment des allers-retours. Donc, nous, l'équipe pédagogique, on travaillait des petits bouts qu'on venait présenter, tester avec le comité des experts des contenus, qui, eux, commentaient, travaillaient, nous ramenaient d'autres éléments. On repartait faire nos devoirs, on revenait. Donc, ça a été une démarche comme ça de co-construction avec l'ensemble des acteurs qui s'est faite pendant cette rencontre-là, avec beaucoup de travail, je vous dirais, entre chacune des rencontres et une grande contribution de l'ensemble des participants là, du comité qui ont pris la peine de remettre en question certains éléments, parfois avec d'autres propositions. Donc, ça a vraiment permis d'avoir un résultat dont on est très, très fiers. Ensuite, on a invité, dans le fond, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup d'enseignants-enseignantes qui mettent en place des pratiques exemplaires. Il y en a qui ont complètement transformé leur enseignement, qui tiennent compte des enjeux perspectives autochtones dans le quotidien de leurs cours. Il y en a d'autres qui font des petits pas, que c'est une action, mais l'idée, c'est ça, en fait, c'est d'inspirer l'ensemble du corps enseignant à faire des petits pas, des grands pas, mais d'avoir différentes perspectives. Donc, on a vraiment beaucoup de personnes qui ont généreusement accepté de témoigner, de partager les pas qu'ils font dans leur enseignement. Donc, parmi, on va pouvoir en voir un extrait tout à l'heure. Donc, cette contribution-là était importante. Les tournages se sont faits donc, de janvier à mars en collaboration aussi avec les équipes pédagogiques des établissements, il faut le souligner. Donc, vous voyez vraiment beaucoup de monde là-dedans qui ont participé, dans le fond, à la réalisation des tournages avec le corps enseignant, le montage, tout ça. Donc, ça a été ce temps-là qui a été pris jusqu'à mars. Ensuite, de avril à août, on a intégré l'ensemble des contenus sur la plateforme Enseigner à l'université pour créer le module avec l'équipe responsable à l'UQAM de l'audiovisuel qui ont travaillé fort aussi dans les derniers mois pour mettre tout ça en place. Finalement, là, de septembre à aujourd'hui, on était encore à des corrections de dernière minute, d'évaluation. Donc, évidemment, hein, un projet, c'est jamais fini. Là, donc, il y a toujours des éléments à ajuster, modifier pour le rendre encore mieux. Donc, les membres du comité des experts des contenus ont été invités là, à commenter, réviser ce qui était proposé pour arriver aujourd'hui à ce grand lancement. Donc, nous sommes très heureux. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné. Et puis, la prochaine diapositive, en fait, me permet de vous amener sur la plateforme comme telle, dans le fond, où on peut voir dans la section remerciements. On ne voit pas, hein? Comment ça? Est-ce que ça vaut le temps. Je pense que ça vaut la peine. Oui, c'est ça qu'on voit. L'ensemble des acteurs là, qui ont contribué. Donc, c'est peut-être petit un peu là, pour certains, mais je vous invite là, lorsque vous vous connecterez aussi sur la plateforme à aller prendre le temps de voir l'implication de toutes ces personnes-là, donc notre animateur, l'ensemble des personnes qui ont participé à l'enregistrement des différentes capsules que vous allez retrouver dans les différentes sections du module. Nos membres du comité des experts, des expertes des contenus, ensuite les membres des services pédagogiques des différents établissements participants, l'équipe pédagogique, et puis aussi à la fin du module,
les gens qui l'ont complété reçoivent un badge qui atteste de leur participation. Et l'image du badge, c'est celle que vous voyez là derrière Marie-Josée lorsqu'on ouvrira son écran. Le fameux cercle qui a été conçu par Iruoma Awashish, artiste atikamé, qui a produit une œuvre en fait pour les initiatives Premier Peuple du réseau de l'Université du Québec. Alors, voilà, encore une fois, merci à tout le monde pour votre participation. Et puis, j'ai bien hâte que ça vole de ses propres ailes et qu'on espère que ça poursuit dans vos réflexions d'enseignants et d'enseignantes pour la suite. Merci. Merci, Evelyne. Merci surtout pour le beau travail. Depuis presque 2 ans, tu l'as bien dit tout à l'heure, octobre 2021, on y est. Enfin, donc c'est du travail de longue haleine, mais vous avez vu le nombre de personnes qui étaient impliquées, donc c'est ce que ça demande si on veut un produit de qualité, qu'on est très fiers, donc très contents. Merci beaucoup, Evelyne, encore. Et maintenant, une autre collaboratrice vraiment très impliquée, très engagée sur ce projet-là, Hélène Meunier. Elle est chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Elle est formatrice en évaluation des apprentissages et elle assure la coordination de la production de différents modules d'auto-formation du site enseigné à l'université. D'ailleurs, sûrement que vous aurez le goût de redécouvrir ce site si vous ne l'avez pas déjà fait, ainsi que les capsules, les modules qu'évoquait tout à l'heure là, M. Huot. Donc, Hélène Meunier, vous êtes avec nous et je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre participation encore une fois. Merci, Mme Fortin, pour l'introduction. Alors, mon mandat aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu toute l'approche qui est derrière le module d'auto-formation dont on parle aujourd'hui, mais essentiellement qui est la même que celle des modules dont nous a parlé M. Huot précédemment. Alors, permettez-moi de vous partager une petite présentation qui peut-être soutiendra mon propos. Alors, voilà. Donc, je vais vous parler essentiellement de l'approche pédagogique et du processus d'apprentissage qui sous-tend les modules d'auto-formation dans le site enseigné à l'université. Alors, la structure du module dont on fait le lancement, bien, essentiellement, ce sont pour les personnes enseignantes universitaires, mais on s'entend aussi que probablement beaucoup d'autres enseignants à différents niveaux y seront intéressés. La durée moyenne de ce module, si on y va en écoutant toutes les étapes et en suivant toutes les activités qui vous sont proposées, c'est d'endurer une durée d'environ 3h30. Dans le fond, nous, lorsqu'on a mis en place ces modules d'auto-formation-là, et plus particulièrement aussi celui qui nous intéresse aujourd'hui, on souhaitait que la personne qui s'engage à suivre ce module d'auto-formation, bien, elle le fasse de façon autonome, puisque c'est un module d'auto-formation. Et bien entendu, il y investisse du temps selon justement ses propres choix, selon sa disponibilité. Alors, le contenu, comme vous l'avez entendu depuis le début de ce webinaire, c'est les enjeux, les réalités, les perspectives des premiers peuples. Alors, tous les modules d'auto-formation reposent sur une approche qu'on veut dite réflexive et s'appuie essentiellement sur le cycle d'apprentissage de Cole que vous connaissez peut-être. Dans le fond, cette approche-là, ça considère les expériences qui sont vécues par les différents apprenants qui suivront les modules et ce module comme point de départ dans l'établissement de liens entre la théorie et la pratique. Alors, les travaux de Kolb qu'on voit ici à l'écran représentés par le modèle qui est là, donc ce sigle d'apprentissage, place, vous voyez, l'apprenant au centre de justement de ces 4 phases-là. Alors, pour Kolb, l'expérience est le point de départ de l'apprentissage, c'est-à-dire que l'apprentissage se réalise lorsqu'on réfléchit justement de son action. Ensuite, on a la phase d'explicitation. Alors, on va décrire les faits, les pensées qui sont sous-jacents. C'est la prise de conscience, la verbalisation de l'expérience aussi en décrivant des faits. Par la suite, on a l'explication. Alors, tout au long de ce module d'auto-formation sur la place au premier peuple dans l'enseignement universitaire, vous allez y voir justement... Ça nous permet de lier l'expérience aux connaissances, aux concepts et qui sont présentés, qui ont guidé l'action, ainsi qu'à de nouveaux savoirs. Comme le disait tantôt M. Huot, on en a beaucoup à apprendre, nous les enseignants.
Et ça va permettre de déterminer justement une transformation possible de nos pratiques pédagogiques, de bonifier justement peut-être les plans de cours. Finalement, on va amener les apprenants à expérimenter, de planifier le déroulement, de peut-être ajouter, revoir certaines pratiques pédagogiques à la lumière de ce qu'ils auront appris tout au long du module. Alors, pour nous, c'est vraiment une structure qu'on va retrouver, comme Mme Fortin nous le suggérait tantôt, d'aller voir les autres modules d'auto-formation, mais essentiellement, ce cycle d'apprentissage-là permet à l'apprenant d'en retirer des apprentissages et de les même les mettre en application. Finalement, les objectifs, comme je viens de vous le dire, c'est de permettre d'accéder de façon autonome à la formation, d'amener la personne enseignante à développer une pratique réflexive. Donc, on souhaite vraiment que ça fasse partie maintenant, en tout cas, on souhaite que ça fasse partie des pratiques des différents enseignants qui suivront ces modules et de donner un aperçu global de l'enseignement dans un contexte universitaire et ici plus particulièrement à la place au premier peuple dans l'enseignement universitaire. Alors, pour votre information, et peut-être que vous avez eu la chance déjà d'y jeter un coup d'œil, l'organisation et la structure même du module d'auto-formation, on y retrouve différentes unités. Donc, comme on le disait tantôt, on laisse le choix à l'apprenant d'aller à son propre rythme. Donc, c'est possible de suivre une unité, par exemple la dimension spirituelle, mais d'y arrêter et ensuite revenir un petit peu plus tard à la dimension intellectuelle pour parfaire. Donc, chacune de ces unités sont indépendantes, même si elles sont intimement reliées. Néanmoins, c'est un tout en soi. Alors, pour parfaire les connaissances et aller beaucoup plus loin, nous avons aussi intégré des différentes ressources qui permettront à l'apprenant peut-être d'aller chercher des références complémentaires et d'aller chercher différentes ressources pour justement parfaire les connaissances quant à la place au premier peuple dans l'enseignement universitaire. Ce module d'auto-formation ainsi que tous les autres sont structurés à partir d'activités qui se veulent assez, intégratrices. Donc, il y a des activités qui portent sur un journal d'apprentissage qui vont accompagner l'apprenant tout au long de sa formation. Il y a beaucoup de capsules de vidéos qui ont été tournées, dont Evelyne Rondeau nous a parlé tantôt. On va amener aussi la personne à réfléchir suite à peut-être au visionnement d'une capsule ou à une lecture d'un texte. Donc, toujours dans ce souci d'approche réflexive, il y a différentes lectures qui sont donc proposées. Comme je le disais précédemment aussi, une liste assez exhaustive de références en complémentarité à tout ce qui a déjà été présenté. Et on va aussi amener la personne à créer des documents, donc à lui-même ou à elle-même revoir certaines pratiques. Et tout au long, justement, pour peut-être valider ou vérifier les connaissances déjà acquises, il y a différents quiz aussi qui sont intégrés dans la structure du module sous différentes activités, comme je vous le parle à l'instant. Finalement, et comme l'a introduit tantôt Evelyne, c'est sûr que dans un module d'auto-formation, en fin de parcours, dans un cycle d'apprentissage, on s'attend à la fin à avoir une certaine reconnaissance. Donc, un badge numérique est remis ensuite à la personne qui a effectué les activités et visionné les différentes sections du module sur place au premier peuple dans l'enseignement universitaire. Et on lui remet un badge numérique dont vous voyez à l'écran la représentation qui fait le lien avec l'élément qu'a mentionné précédemment Evelyne Rondeau. Alors, bien entendu, aussi une attestation peut être mise et peut s'ajouter à un portefeuille de développement continu qui a déjà été réalisé. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour que vous compreniez un petit peu plus la structure justement de nos modules d'auto-formation et plus particulièrement celui dont on fait le lancement aujourd'hui. Alors, à vous la parole, Mme Fortin. Merci beaucoup, Mme Meunier. Effectivement, je pense qu'on a un aperçu maintenant de la démarche réflexive, comme vous l'expliquez bien, qu'on peut entreprendre à travers ces modules d'auto-formation. Et je pense que c'est vraiment dans l'esprit aussi qu'on dit le rythme, respecter le rythme de chacun et chacune. Donc, c'est très, très intéressant. Merci à vous. Puis, on voit l'expérience aussi. On voit la bonification des outils, la panoplie
qui est possible, sur lesquels avec lesquels on peut travailler d'outils, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va, pour terminer le tour de parole, c'est quasiment notre pilier. Hein, en tout cas, l'ATTRA, c'est certainement un de nos piliers. Janet Marc. Alors, Janet, bonjour Janet, merci d'être avec nous. Janet, qu'on sollicite régulièrement et elle continue de nous dire oui, malgré tout. Alors, vraiment, c'est très apprécié. Alors, Janet, elle est conseillère à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'UQAT depuis quelques années, mais en fait, elle est à l'UQAT depuis plus de 15 ans, si je ne me trompe pas, de la nation, elle est de la nation Cree. Et donc, elle est depuis 5-6 ans maintenant à l'ATTRA avec nous. Elle a d'ailleurs participé à déjà plusieurs de nos webinaires. Donc, voici encore une belle implication, collaboration. Donc, non seulement le webinaire, mais comme experte de contenu sur ce projet-là. Donc, merci, Janet, de prendre la parole pour nous expliquer effectivement l'importance que a pour toi ce module. Megwitch, merci beaucoup, Marie-Josée. Alors, effectivement, quand je réfléchissais, dans le fond, à ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, je me disais qu'à titre de conseillère stratégique là, à la réconciliation et à l'éducation autochtone à l'UQAT et en tant que membre de la TETRA, finalement, ça fait depuis juste 2021, Marie-Josée, fait que ça fait, on parle de 3 ans, c'est ça, dont je fais partie de la table. Et pour moi, c'est vraiment une table qui me stimule beaucoup, qui me motive et qui j'apprends beaucoup aussi auprès avec les collègues aussi qui sont à cette table-là. Alors vraiment à titre de conseillère puis en tant que membre, ben c'est vraiment avec fierté aussi et conviction là, que j'ai accepté de et que je participe aujourd'hui là, au lancement du module d'auto-formation Place au premier peuple dans l'enseignement universitaire. Et cette réalisation, dans le fond, vient répondre aux différents appels à l'action des différentes commissions d'enquête là, qui se sont tenues là, au Québec et au Canada. Et vous savez, les rapports de ces différentes commissions d'enquête, dans le fond, ont pu démontrer aussi l'urgence là, de former la société québécoise et canadienne au grand complet. Et le travail à faire reste phénoménal aussi. Et selon moi, les universités, et particulièrement dans le sujet dont nous discutons aujourd'hui, dans le fond, je trouve que les professeurs et les chargés de cours ont un rôle important à jouer dans l'éducation de la société. Et ils et elles peuvent faire partie aussi des gens qui peuvent répondre, dans le fond, aux différents appels à l'action qu'on peut retrouver dans les différents rapports. Et aussi, la méconnaissance aussi des réalités autochtones, vous le savez, c'est un des grands constats aussi de la commission Vient. D'ailleurs, ce matin, ici, au pavillon des premiers peuples, le protecteur du citoyen était ici ce matin pour lancer, dans le fond, le rapport de suivi de la commission Vient. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Vous allez sans doute m'entendre parler aujourd'hui dans les médias. Il y a eu des choses qui ont été faites, mais il reste encore énormément de travail. Alors, et tel que mentionné aussi par le commissaire Vient, Jacques Vient, on parle d'un phénomène qui est généralisé, qui dépasse dans le fond les titres d'emploi, les fonctions occupées et les services publics. La commission Vient disait que pour développer la connaissance citoyenne, bien, il faut aussi des outils faciles d'accès dont les contenus éducatifs sont riches et crédibles. Alors, moi, je trouve que cette formation qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment un outil facile d'accès et en plus, c'est une formation qui est gratuite. Alors, j'ai eu le privilège, dans le fond, de faire partie du comité d'experts et d'expertes là, des contenus et j'ai eu la chance de visionner le module d'auto-formation, qui est d'une durée de 3 heures et demie.
Et je peux vous confirmer que cette formation permet vraiment aux participants d'amorcer une réflexion et de bien s'outiller aussi afin d'être en mesure d'enrichir leur contenu de cours et leurs approches aussi pédagogiques pour tenir compte des enjeux, réalités, perspectives des premiers peuples dans leur enseignement. Alors, je me souviens que une des premières rencontres qu'on avait eues, tous les membres du comité d'experts, on avait mentionné qu'il ne fallait pas attendre d'avoir des étudiants autochtones dans ses cours. Tu n'as pas besoin d'avoir des étudiants autochtones dans tes cours pour pouvoir faire place aux perspectives autochtones. Alors, ça, c'est un message que je voulais aussi rappeler, là, dans le fond, auprès des gens. Autre information, en tout cas une réflexion que je voulais vous faire part aussi par rapport à cette formation-là, c'est que il y a quelques semaines, avec mes collègues, dans le fond, service Mamawi Mikimudan, qui veut dire faire ensemble, on en a discuté, dans le fond, de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette formation qui va être disponible aujourd'hui. Et on se disait comment est-ce qu'on peut, dans le fond, s'engager concrètement à faire vivre cette formation-là à l'intérieur de notre institution. Alors, il y en a peut-être qui ont déjà entendu parler de la création de notre espace de concertation là, qui existe depuis l'automne 2022. C'est né d'une collaboration, dans le fond, entre le service Mamawi Mikimudan et le service de pédagogie universitaire et de formation à distance, le SPUFAN. Et c'est vraiment un espace là, qui s'inscrit dans un souhait de mettre en valeur là, des perspectives autochtones dans l'enseignement. Et on cherche à répondre à trois objectifs. Et le premier, c'est favoriser l'enseignement à l'intégration de perspectives autochtones dans les cours. Deux, réfléchir aux approches pédagogiques pour l'enseignement aux Autochtones. Et trois, mettre à la disposition de la documentation, du matériel, des ateliers et de la formation pour le corps enseignant. Alors, c'est un lieu d'échange qui permet, dans le fond, aux membres enseignants, tant du côté des professeurs et des chargés de cours, de développer leurs compétences informationnelles, d'approfondir leurs connaissances et de revoir leurs pratiques enseignantes afin de mettre en lumière là, les perspectives et les savoirs autochtones au sein des cours qu'ils enseignent. Donc, ce qu'on a décidé pour cette deuxième année de l'existence là, de l'espace de concertation, c'est qu'une toute nouvelle formule est proposée et qui vise à créer une communauté d'apprentissage à l'égard des perspectives autochtones et en pédagogie. Donc, cet automne, les professeurs et les chargés de cours intéressés pourront participer à trois séances de travail. Alors, les deux premières séances vont se dérouler durant la semaine de lecture, va permettre, dans le fond, aux participants d'écouter en groupe le module d'auto-formation place au premier peuple. Dans l'enseignement universitaire et de cette façon de faire, dans le fond, soit de compléter le module d'auto-formation ensemble, offrira, dans le fond, l'occasion de revenir sur certaines notions apprises et d'échanger avec les autres personnes présentes, en plus d'être une source de motivation. Et la troisième séance aura lieu à la mi-novembre. Celle-ci prendra plutôt la forme, dans le fond, d'une clinique de mise en pratique des notions apprises au sein des plans de cours et les participantes avides de déployer leur nouvelle acquisition au sein de leur enseignement. Alors, pour nous, c'est une façon, dans le fond, de faire connaître cette formation-là et de la faire vivre. Alors, je vous lance, je vous invite aussi, dans le fond, j'invite les autres institutions, dans le fond, les autres universités, à réfléchir aussi de votre côté, comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur de votre université et comment vous pouvez faire vivre aussi cette formation-là et à long terme aussi. Alors, pour terminer, c'est ça, j'aimerais vraiment remercier, dans le fond, puis vous avez vu la liste tantôt, il y a quand même plusieurs personnes qui ont participé à la réalisation de cette formation-là.
Mais je me disais ce matin, je ne peux pas passer sous silence, là, dans le fond, la grande implication de la part là, de mes collègues à l'UQAP et des membres aussi du Lac-Simon et de Picogan. Et je suis vraiment fière, dans le fond, de voir toutes ces personnes là, qui ont contribué là, à la réalisation de cette formation-là. Je parle ici des professeurs Gloria Pellerin, Sébastien Bordard-Girard, Émilie Deschaines, Stéphane Grenier, les professionnels Frédéric Cornelier, Bruno-Philippe Richard. On avait aussi une étudiante, Hélène Pourcelo, et les membres des communautés du Lac-Simon et de Picogan que vous allez voir à la toute fin de la formation aussi. Il y a plusieurs enseignantes Anishinaabe, dont Samy Kstabish, Gélie Mohat, Marguerite Mohat, Godreau. On avait aussi deux personnes du Lac-Simon, Alex Chizo et Elisabeth Papati. Alors, je veux vraiment remercier ces personnes-là aussi pour leur implication. Et je m'arrête ici. Alors, je m'égouche, tu n'as comme non, et merci beaucoup. Merci à toi, Jeannette. Encore un propos très inspirant. Puis aussi, je dirais, toute l'organisation de l'institution de l'UQAP. Hein, vous nous montrez souvent des façons de travailler originales pour nous tracer un petit peu là, des possibilités. Donc, ce que tu nous dis finalement, c'est comment il faut aussi animer la vie pour faire en sorte que ces outils qu'on dépose, qu'on rend disponibles, puissent effectivement être réappropriés par les personnes qui sont susceptibles de les utiliser. Donc, bravo encore à l'UQAP pour ce leadership-là. C'est très, très inspirant. Maintenant, on s'est rendu à notre dernier segment pour ce lancement où, en fait, j'espère qu'on vous a mis en appétit tout au long. En fait, ce qu'on veut faire simplement, c'est on va appuyer sur le bouton plus ou moins, hein, c'est-à-dire qu'on veut vous projeter deux petits extraits et ça vous donne un peu la couleur de ce que vous trouverez donc dans le module. Donc, on dit 3h30, a priori, ça a l'air beaucoup, mais quand vous allez entendre et voir la richesse des propos, je pense que tout le monde va dire non, on en veut encore. Alors, sans plus tarder, on vous projette deux capsules. D'abord, une par Sébastien Brodeur-Girard, qui est professeur à l'École d'études autochtones à l'UQAP. Et ensuite, une deuxième où c'est Dave Bergeron, professeur en sciences de la santé à l'UQAP, qui va nous parler de ses expériences. Alors, l'important, tout d'abord, c'est de prendre conscience de la limite de ses propres connaissances. Alors, il est nécessaire de s'informer et là, d'utiliser tous les moyens possibles pour ce faire. Alors, évidemment, en lisant des textes d'auteurs autochtones, mais aussi en profitant des occasions, des événements pour aller visiter les communautés, que ce soit un powwow ou un autre événement organisé par un organisme en milieu urbain, par exemple. Donc, toutes ces occasions-là sont des moments propices pour apprendre à mieux connaître les peuples autochtones, d'écouter les médias autochtones également, et aussi peut-être de s'ouvrir à d'autres disciplines que la nôtre pour accepter d'être déstabilisé et d'avoir d'autres points de vue sur ces questions-là. Parce que le maître mot, c'est certainement l'attitude d'ouverture, d'humilité et surtout d'écoute. Parce qu'on ne peut pas enseigner adéquatement ce qu'on ne connaît pas et on ne peut pas prétendre justement en savoir plus que ce que l'on sait. Le positionnement est à cet égard très important. Il ne faut pas prétendre être un spécialiste ou un expert sur ces questions-là. Alors, combien de gens sont débarqués dans les communautés autochtones pour aller leur expliquer à eux ce qui était le mieux pour eux. Ce n'est pas une attitude, évidemment, qui est très respectueuse. Donc, c'est très important. Je répète le mot « humilité » à ce moment-là. Si on a la chance d'avoir des étudiants autochtones ou des invités dans nos cours, de prendre le temps vraiment de les écouter. Alors, peut-être ne pas exagérer sur la méthode socratique de poser plein de questions tout le temps, mais de valoriser vraiment l'écoute qui est la valeur maîtresse des pédagogies autochtones, où est-ce qu'on reçoit un enseignement et il faut ensuite vraiment prendre le temps d'y réfléchir, de le digérer. Alors, ce qui ne veut pas dire ne jamais poser de questions, bien sûr, mais de prendre le temps de bien écouter ce qu'on nous répond, c'est très important. Et finalement, un petit mot sur les perspectives historiques, il n'est pas nécessaire, évidemment, de jeter toutes nos anciennes connaissances, mais c'est certainement une bonne chose de s'ouvrir
à d'autres points de vue et d'être capable de réinterpréter nos certitudes historiques en tenant compte justement de ce que peuvent nous apporter des experts autochtones sur ces différentes questions-là. Donc, c'est simplement d'enrichir nos connaissances pour pouvoir avoir une vision plus large de toutes ces questions-là. Et particulièrement des conférences autochtones pour avoir la perspective autochtone puis d'avoir un échange, de discuter avec les étudiants. Dans un de mes cours, dans les prochaines semaines, un infirmier autochtone va venir parler de leadership infirmier, mais vraiment dans une perspective de comment il voit le leadership infirmier dans sa communauté. C'est quelque chose qui est très intéressant pour les étudiants, ça permet d'être en relation directe. Par contre, c'est quelque chose qui est quand même difficile parfois à organiser. Il y a peu de conférenciers, des fois ils sont sursollicités. Donc, il faut penser à d'autres stratégies pédagogiques. Comme j'ai parlé un petit peu avant, il y a aussi des études de cas qui sont intéressantes. On utilise le rapport du coroner sur le décès de Joyce Echaquan, puis on regarde justement qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là, puis on essaie de l'analyser. C'est très intéressant, c'est très riche, il y a eu une analyse exhaustive. Par contre, c'est vraiment une perspective majoritairement occidentale. On a peu la perspective autochtone dans cette étude de cas-là. Au cours des deux dernières années, avec des collègues infirmières allochtones et autochtones, puis c'est vraiment été sous le leadership d'un de mes collègues à l'UQAR, Geneviève McCready, on a essayé de réfléchir ensemble à comment créer du matériel pédagogique pour sensibiliser les infirmières aux enjeux du racisme systémique. Puis qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les infirmières autochtones avec lesquelles on travaille au sein de ce collectif-là ont été témoins de racisme systémique, parfois ont été victimes de racisme systémique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a documenté leur histoire, puis après ça, pour créer à partir de ça des mises en situation. Et ça l'a pris, finalement, on est en train de le terminer, c'est quelque chose qui va être publié sous peu, mais ça prend la forme d'un article de formation continue qui va être publié dans la revue Perspective infirmière et qu'on va pouvoir utiliser pour sensibiliser les infirmières lors de nos cours à l'enjeu du racisme systémique, puis la pleine intégration des savoirs puis des perspectives autochtones. Voilà, alors j'espère que vous avez pu apprécier tout comme nous ces deux capsules, sachant qu'il y en a de nombreuses autres et provenant de différentes personnes qui interviennent dans différents types de cours, différentes disciplines, donc qui ont tous leur bagage à partager, qui ont accepté généreusement de le faire. Donc c'est maintenant accessible évidemment en ligne. On va vous mettre dans le chat le lien pour y aller sur la plateforme Enseigner à l'université. Il me resterait maintenant à conclure. J'inviterais peut-être nos invités à ouvrir leur caméra pour qu'on puisse les revoir une dernière fois et les remercier sincèrement d'avoir pris le temps aujourd'hui et tout au long du processus, évidemment, pour avoir contribué. Donc, permettez-moi de les nommer. Alors, Tania Sirois, qui est avec nous, Marjolaine Tierniche, on a aussi Kaoutar Lakim, Alain Huot, Evelyne qui est ici avec nous, Evelyne Rondeau, Hélène Meunier, Janet Marc. Écoutez, merci à tous et à toutes pour le temps que vous avez pris tout au long de ces deux années pratiquement de collaboration. La preuve que ça prend du temps, mais que ça vaut la peine, je pense. On a un beau produit, je pense qu'on est tous très fiers et on a bien hâte de voir qu'il va être diffusé largement. Alors, il me reste juste à vous inviter maintenant. Merci encore à tous. Merci à ceux qui ont contribué évidemment à ça. Merci à vous d'être avec nous aussi à distance. Et puis, il nous reste à vous inviter peut-être pour les prochains webinaires, donc l'hiver prochain de la TETRA. Alors, au plaisir et bonne journée à vous.